Au cœur de l'archipel des Comores, Mayotte, territoire français de plus de 300 000 habitants. Ici, la population augmente très rapidement et la sécurité alimentaire de l'île est un enjeu crucial. L'élevage joue un rôle primordial. Il s'articule autour de trois races locales, le zébu maoré, la chèvre Mbuzi Yashimaoré et le mouton Barbary Lashimaoré. Depuis plusieurs années, les éleveurs maorés ont recours à des croisements des races locales avec des races européennes. Cela afin d'augmenter les performances de production, tout en conservant les qualités d'adaptation des races locales. On les appelle les croisés. Pour la production locale, auparavant, c'était vraiment le zébu traditionnel maoré. On avait aussi le mouton et le cabri, mais c'était des chèvres, des moutons vraiment typiquement de petits gabarits. Donc, on a voulu faire évoluer, vu que la population évoluait et la demande venait de plus en plus, à faire du croisement. Nous sommes arrivés à des 50% de races croisées, donc moitié zébu, moitié montbéliard, etc. Et ensuite, nous avons continué à évoluer parce que nous avons vu qu'il y avait une meilleure croissance. Du coup, tout le monde insémine et à un moment donné, on arrive à un croisement qu'on ne sait même plus quelle race c'est. Est-ce que c'est du zébu montbéliard? Est-ce que c'est du zébu gire? Ou est-ce que c'est du zébu zébu? Du coup, on est complètement dépassé. Il y a une mixture de races. Et là, on est mélangé, on ne sait plus vraiment où est-ce qu'on en est. Ces croisements non contrôlés entraînent une diminution très inquiétante du nombre d'animaux en race locale pure. Le CIRAD et ses partenaires interviennent depuis 2015 pour faire reconnaître ces trois races afin de mieux les conserver. À ce jour, le zébu maoré a été considéré comme race menacée d'abandon pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'il y a moins de 7500 femelles reproductrices zébus actuellement sur Mayotte. En chèvre et en mouton, les effectifs de femelles reproductrices sont encore plus faibles. Et même si les races ne sont pas encore reconnues, c'est important de commencer à faire ce travail pour conserver ces races-là, notamment les conserver dans les élevages pour éviter qu'elles ne disparaissent. Et identifier donc, les animaux de race locale et les élevages qui veulent conserver ces animaux de race locale, ça fait partie de mon travail. Ça fait combien de temps qu'il est là, lui? Ça fait déjà 7 mois. Ici, je suis venue chez Monsieur Bacco ce matin pour aller voir ses chèvres, donc repérer les animaux qui étaient de race locale et les animaux qui étaient croisés. À partir des caractéristiques phénotypiques, on a vu que certains animaux étaient croisés, mais la majorité était de race locale. Et on a aussi fait une vérification génétique sur deux animaux. Donc on a pris toutes les mesures phénotypiques et on a fait une prise de sang pour ensuite faire une extraction ADN et voir génétiquement si ce sont bien des chèvres maoraises. Alors l'intérêt de conserver les races locales, c'est la conservation de la biodiversité à l'échelle mondiale. Un autre intérêt, c'est tout ce qui est patrimonial, culturel, l'attachement des maorés aux races qui sont ancestrales. Et il y a aussi un intérêt au niveau de la résistance des animaux. Du coup, des animaux qui résistent beaucoup mieux aux maladies, aux parasites et qui ont moins besoin d'entretien. Ce qui assure aussi une partie de la sécurité alimentaire de l'île. Aujourd'hui, de plus en plus d'éleveurs ont pris conscience de la disparition des races locales. Ils se sont récemment fédérés en association. Le CIRAD les accompagne pour commencer des actions pour la conservation des races maoraises. La sensibilisation que nous portons auprès des agriculteurs, et le message passe très bien. Beaucoup de ménages, notamment les petits ménages, ont choisi de conserver cette race locale et nous disent qu'ils ne sont pas prêts à changer. Ils sont prêts à garder cette race locale parce qu'elle ne leur coûte pas très cher. Et c'est résistant face aux maladies. Ils n'ont pas besoin de faire appel aux vétérinaires pour cela. Donc, ils ont choisi de la conserver. Souvent, ils l'utilisent pour les festivités religieuses, les cérémonies familiales. Pour ma part, en qualité de président de l'association, en qualité également d'éleveur, j'ai choisi d'avoir que la locale. Parce qu'effectivement, elle est de chez nous. C'est la race qu'on a eue de nos parents. Elle n'est pas très grande en taille. Elle n'est pas très volumineuse en viande, elle ne donne pas assez de quantité, mais c'est celle du territoire et c'est la nôtre, on a choisi de la conserver. La reconnaissance des races pour le mouton et la chèvre maoraise devrait intervenir d'ici 1 à 2 ans. Le projet race animale mené par le CIRAD et ses partenaires doit continuer jusqu'en 2027.